La coque est fixée avec ces trois clips, ainsi que ici et ici. Donc, premièrement, commencez par retirer la vitre du rétroviseur. Donc, de préférence avec un ustensile en plastique. Pensez bien aussi à incliner la vitre vers l'intérieur au maximum pour faciliter la manœuvre. Donc voilà, tout doucement en déclipsant. Juste à de déclipser. Voilà. Attention aussi au câble si le rétro est dégivrant. Donc, il suffit juste de poser la vitre comme ça et vous pouvez voir que à l'intérieur, les fixations sont ici, ici et ici. Alors, il suffit pour cela tout simplement de les déclipser une par une et de commencer à tirer sur la coque de rétro. Voilà. Voilà, et la dernière. Ensuite, il suffit de tirer doucement sans casser les autres clips. Et voilà. Pour la réinsérer, la coque, il faut faire attention, ici il y a une rainure qui correspond à la rainure ici. Donc bien penser à l'insérer bien horizontalement. Alors, est-ce que les clips sont bien mis? Là, là et là. Voilà, la coque est bien installée. Il ne reste plus qu'à replacer la vitre. Et là, pareil. Et voilà, c'est terminé.